Attention, c'est parti. Ok, aujourd'hui je suis avec Ayrton Gomez. Les amis, on n'oublie pas surtout de s'abonner et de activer la cloche. On est parti pour cette vidéo. Est-ce que tu sais pourquoi t'es là, Ayrton? Il m'a dit viens, je fais oui, ok. Ok, c'est parti. Ok, j'ai découvert une application qui s'appelle Talkie Walkie. Cette application, elle est sur mon téléphone. Le concept est simple. Tu te connectes, paf, comme ça sur cette application. Tu choisis une fréquence et quand tu tombes sur une fréquence, tu peux tomber sur des gens au hasard. Ça tue. Ça tue, hein. Ouais. En gros, on va tomber sur des gens des fois chelous. Et l'idée, c'est que nous, on va être aussi assez chelous. On va tirer des petits papiers. Ça va nous imposer des personnages. C'est pour ça les papiers depuis tout à l'heure. C'est pour ça les papiers depuis tout à l'heure. La prod nous a mis des petits papiers. Et une prod de pas grand monde. Tu voulais pas. Moi je trouvais ça assez stylé de dire la première. Oui, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc on aura ici des personnages et ici des situations. On va devoir assembler les deux et créer une impro avec les gens. Ok, on tire un papier, vas-y, tire d'abord un premier papier. Je tire un personnage, italien. Un italien, tu sais faire l'italien? Un italien au milieu de quoi? Un règlement de compte. Alors je vous explique, le seul règlement de compte que j'ai eu dans ma vie, c'était pour des bonbons. Donc j'ai jamais eu de règlement de compte. Suite, c'est parti. Hola ragazza. Hola ragazza. Ragazza, tu me dois 40 euros! Des noix aussi. Vous sentez le charisme, mon cousin? Des fois, dans les conversations, il y a des mecs qui sont, ils sont tous ensemble pour discuter entre eux. Ah, et donc, ils s'en battent les couilles de s'il y a des gens qui rentrent dans les trucs. D'accord. Ouais. Ok. Un TikToker perdu dans les catacombes. Je suis perdu dans les catacombes, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ouais, demande à Tik. Pourquoi Tik, il est aussi dans les catacombes? Parce que moi, Tik, je le connais bien. Je suis sur TikTok, je suis assez reconnu. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ayrton Gomez. Tu connais ou pas? Il s'en bat les couilles! Un grutier. Russe. C'est très bien, russe. Ouais. Russe, très bien. Tu sais faire le russe? Je sais pas faire le grutier, surtout. Un grutier qui a la diarrhée. Un grutier. T'es un peu dans la merde à ce moment-là. Je suis grutier, j'ai la diarrhée là. Et j'aimerais descendre. Bah, tu chies au-dessus, hein. Tu verras, ça va faire un gros bloc. Et on peut dire que je suis dans la merde, non? T'as pas bien compris. On peut dire que je suis dans la merde, non? Ok, on change de prétention. Voilà, je suis coincé en haut de ma grue, là. Pourquoi la nouveau aussi est fuminée comme ça? Celle qui a dit je suis chiant, avec tout le respect que je te dois, elle m'a pas vu. Elle t'a pas vu, elle a dit que t'étais chiant. À moi. Personne âgée. Perdu dans l'océan Atlantique. Que mon petit-fils m'a installé l'application sur mon téléphone afin que je commence à rencontrer des gens. Oui, mais de base, le but de cette application, c'était de faire que les gens soient stupides. Ça, c'est bizarre. Bon, allez, on change de fréquence. C'est agréable de discuter avec des gens. Les gens, ils sont perdus un peu là. En parlant d'être perdu, je suis un peu sur l'océan actuellement. Et c'est vrai que cette application me change la vie. Qu'est-ce que fait un artichaut avec... Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Il est tarpin, je suis là. Ferme ta gueule, frère. Oh. Ah, c'est pas bien. Ça, tu peux insulter parce qu'il se cache derrière l'écran et tout. Hé, viens en face. La première fois qu'Ayrton va s'embrouiller de toute sa vie, c'est parti. Hé, viens en face, viens maintenant, viens parce que ça parle derrière l'écran. Ça fait des nanani nanana, viens. Ils sont mal les couilles là. Ils sont mal les couilles, laisse tomber. Je suis parti. Je suis kidnappé. Dans le coffre d'une voiture. Non, on a dit des situations, pas qui sont arrivées vraiment dans la vie. Les gars, je suis dans un coffre d'une voiture, est-ce que vous pouvez venir me chercher s'il vous plaît là? Quand même, t'es dans un coffre, moi je vais pas te chercher. On va tuer. Je suis décédé. Ok, vas-y, on te remet une autre fréquence si on refait ça. Je suis dans un coffre là, s'il vous plaît, venez me chercher. 47 rue de Belleville. Ah ouais, t'es dans un coffre et tu vois le panneau. Ah, tu peux laisser les gens se faire kidnapper dans les coffres tranquillement? Bah vas-y, reprends, pardon, excuse-moi. Merci. Vas-y.
Du coup, je disais, j'étais dans un coffre. Et là, je suis pas bien, je suis paniqué là. Bah écoute, mon frère, force à toi. Hein. Ouais. Force à toi. Bah ouais, dans le respect, mec. Mec, t'es dans un coffre, mais y'a du respect, d'accord. Eh, hey, ferme ta bouche là. Moi ? Ça marche. Merci, on va continuer la vidéo sur Ayrton. Tu connais Ayrton Gomez ? Le mec a besoin de se positionner. Il était en manque. Il avait besoin de notoriété. Est-ce qu'on me connaît ? Est-ce qu'on me connaît ? T'as trop d'énergie. J'ai trop d'énergie, tu trouves ? Ouais. Eh bien... Je suis en bas des blocs, vous avez les chamboules. C'est quoi le code ? 1997. Ok, je suis à l'intérieur, je vous attends. Je prends 10 grammes. Ok, ça fait 100 boules. Du coup, je peux en récupérer où ? 90, bah ouais, je prends. le négociateur le plus nul du monde. Les gars, il y a les flics, je me barre. Monsieur, vous êtes embêtant dans l'arrestation ! Non, laissez-moi, aidez-moi là. Le lecteur parti. Les gars, j'en peux plus! Est-ce qu'il n'y a pas une bagnole qui peut venir? J'arrive. Ok, je monte sur un petit scooter! Michel, viens! On a interpellé le suspect, il est parti sur un scooter, Michel! C'est bon, les gars, je suis dans une cachette! C'est bon! C'était quoi ça? Pardon, j'ai pété! Michel, tu as entendu ce P ? Ta gueule en fait. Y'a un moment, Ayrton, faut arrêter de te faire insulter tout le temps, quoi, c'est un délire. Je t'appelle Ayrton en plus. Pourquoi tu connais un Ayrton ? Non, c'est juste qu'il a freiné ton blason. Allez, ça marche. L'important dans une salade composée est d'abord de composer l'excellente composition. C'est pour ça que aujourd'hui, dans notre tuto cuisine, nous apprenons comment faire une salade de tomates. C'est parti, Victor! Avec pas mal de tomates, vous pouvez créer votre salade adaptée. Et le secret de cette recette, c'est bien évidemment ma petite touche personnelle. De la vinaigrette à l'ammoniac. Bien évidemment qu'on fait de la vinaigrette à l'ammoniac. Alors, après avoir retiré les boyaux du cochon, vous mettez le cochon en entier dans la salade. Salut. L'approche la plus nulle de toutes les plus nulles approches. Excuse-moi, ton père, il serait pas voleur ? Mais quelle drôle attitude ! T'as quel âge ? Tu me donnes quel âge ? 15. Allez, ça marche, voilà. Allô ? Ouais. Ouais. Ça va ou quoi ? Et bon ? Ouais, ça va, merci. Ouais, mais par contre, bouge, c'est ma meuf, j'adore. De quoi ? Mais vous avez quel âge ? Dans les 21. Mais toi, t'as eu quoi ? On dirait que t'as pas mué. Vidéo terminée, merci de la participation. Merci de l'invitation. Au revoir, merci, au revoir, bonne journée. Ok, cette vidéo est finie, ça t'a plu Ayrton ? Yes, c'était super. On va faire un petit volume 2 ? On va faire un petit volume 2, j'espère. Tu seras présent ? Oui. Non, il sera pas présent. Si vous voulez retrouver Ayrton Gomez sur les réseaux, comment ça s'écrit ? Ça s'affiche juste là. Juste ici ? Oui. Oui. Lilou, elle nous a fait. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'es... humoriste. Chômeur, c'était chômeur le mot. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait plaisir. Merci beaucoup, lâchez votre meilleur commentaire sur la vidéo si vous voulez un volume 2. Et attention, salut ! Attends, reste là, reste, on est bien. On se lève, on fait attention, c'est parti. Vas-y, enlève tes mains, on les voit. Attention, c'est parti. Non, non, bien fait. Si, non, mais c'est parce que t'as l'air. Bref. Ta petite soeur, elle a quel âge ? Oh. Ouais, ta petite soeur, elle a quel âge ? Elle fait du vélo ? Ah, c'est du roller. Non, elle fait de la trottinette. Non, elle fait du vélo. Abonnez-vous, il en a vraiment besoin. C'est vrai que j'en ai besoin. Combien d'abonnés ? On a 500 abonnés. Même le chat, il dit miskin. Honte. Avec les abonnés d'Ayrton. 504. 504.